Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le dernier modèle de chez Bugatti qui sera 100% thermique. Donc c'est la Bugatti Mistral W16. Donc elle est prévue en sortie 2022-2023. Normalement, ça doit être 2022. Voilà, donc on va aller voir ça tout de suite. Un petit 1600 chevaux thermique total. Let's go. Comme je vous l'avais dit, voilà, on voit un roadster pour terminer l'aventure W16. La Bugatti Mistral est le dernier modèle de la marque avec une motorisation 100% thermique. Ces 1600 chevaux seront réservés à 99 privilégiés, donc 99 exemplaires de la Bugatti Mistral W16. Donc vous voyez, c'est le dernier modèle thermique entièrement. Après, ils vont rajouter des options, enfin des moteurs électriques. Voilà. Donc là, on est sur. Elle a été présentée à Berlin en avant-première. Donc on voit, elle récupère son 8 litres quadriturbo de 1600 chevaux de la Chiron Super Sport 300+. Voilà. 480 000 km/h en ligne de mire. Ah, c'est pas mal, 480. À l'arrière, on voit ses feux en X. Hein, on va le voir un peu plus après. Voilà, donc là on voit les feux en X. Ah, c'est vraiment, ils sont vraiment superbes. Donc quelques petites photos, là on va voir un peu ce que ça dit. Bon, déjà les feux à l'avant, ils sont superbes. Bon, l'avant, la calandre et les écopes, c'est magnifique. Donc on voit rétroviseur carbone aussi. L'arrière, juste sublime, encore une fois, des pièces carbone ici. Ici et ici. Le côté, on voit les évents ici pour refroidir le 8 litres. Ici, qui sort sûrement par ici. Je la trouve plus compacte que les autres. La petite signature Mistral qui se trouve sur les feux. Sublime. Donc ici on voit les 99 exemplaires de la Mistral dont la livraison débutera en 2024 sont déjà tous vendus au prix de 5 millions d'euros l'unité. Quant aux futurs modèles de la Bugatti, ils seront désormais tous plus ou moins électrifiés. Voilà, c'est fini, le terminé, le 100% thermique. C'est malheureux. Donc on va... Ah, ils sont chiants avec ça. Et puis, donc comme je vous l'ai dit, c'est des aléas. On se fait, on examine le truc, le sujet d'un peu plus près ensemble. Donc il y aura des petits. Voilà. Donc 1600 chevaux de 0 à 100 en à peine 2 secondes. Oh, c'est énorme. Il y a un couple, il doit avoir un couple phénoménal. Je ne sais pas si on le voit, 420 km/h. Voilà, donc là on va se faire un petit détail, un petit peu technique. Donc modèle de série, bon c'est 99 exemplaires, ils appellent ça modèle de série. Voilà, 99 exemplaires, on l'avait vu. Moteur longitudinal central arrière, bon ça c'est un peu comme d'habitude chez Bugatti. 64 soupapes, 8000 cm3 injection directe, quadruturbo, 1600 chevaux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir de plus? Hop là, ici une petite info, 200 chevaux par litre. Voilà, donc là je vais vous laisser profiter du moment où il dévoile la Bugatti Mistral W16 à Berlin. Allez. Ladies and gentlemen, W16 is now. So this is the brand new Bugatti W16 Mistral Roadster, a 1600 horsepower Chiron Super Sport engine. Absolutely incredible looking thing. I love this.
rear light design on the lead. Incredible looking thing. Full yellow interior. Wild spec on this one. 99 of these in the build. L'intérieur est juste magnifique. New seats. Very, very impressive looking car. And then similar design language to the Voiture Noir front. New headlights, super stealthy. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Donc on a essayé de voir un peu en profondeur les détails techniques, tout ça, mais voilà. Ça reste Bugatti, à chaque fois c'est compliqué de trouver des infos vraiment assez précises, mais dans l'ensemble on a trouvé ce qu'il fallait. Voilà. Allez, un petit pouce, un petit abonnement et salut!